Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir. C'est Congo News 24. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur notre beau pays, la RDC. Comme d'habitude, avant de commencer, nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et à RDC. Au sommet, le Premier ministre attendu au Palais de la Nation pour remettre la liste des ministres au Président de la République. Et la délibération va bientôt commencer. Bandeko, Premier ministre, ako mona Président de la République, lelo, pe ako pesa e liste va ministre, pe Président, selon la Constitution, va nommer les ministres. Allo Bandeko, te vous développez une émission d'abissu. Alors, deuxième point, on va parler de Kingankati. À partir de Kingankati, Bandeko Kabila a dû ba décision pour na ba makambu oyebutiko leka oyaba poste na kata FCC. Mystère de Kingankati, Kabila tranche sur la répartition des postes ministériels au sein du FCC. Au développement d'une émission à M. Bandeko et ça m'a boulou na FCC ba membre M. Palou Bandeko baza suspendu. Troisième point, le gouvernement a acheté un lot de bus pour relier la capitale et les provinces. Bandeko, point M. Misatu et cet gouvernement a somi babis à Sika yami laye yami nene confort pour corrélier Kinshasa Nava province Bandeko. Donc, on développe une émission à Bissou parce qu'il y a de nouveaux bus que le gouvernement a acheté pour relier Kinshasa et les provinces. Alors, commençons avec le premier point. Le premier ministre attendu au Palais de la Nation avec la liste des ministres et selon la Constitution, le président va nommer les ministres. La délibération va bientôt commencer. Alors, toquez le premier point d'absorbandé. Alors, commençons avec le premier point. Le premier ministre Sylvestre Ilunga est attendu au Palais de la Nation avec la liste des ministres pour donner au président de la République parce que selon la Constitution, le président de la République va nommer les ministres. Parmi la liste Bandeko, les deux composants de la future coalition gouvernementale comprend trois noms, dont une femme pour chaque poste. Donc, dans la liste Bandeko, où il y a même le pas président de la République, trois noms Bandeko, dans chaque trois noms, et ça, une femme. Pour effet s'équilibre, basi baza la paix belé na gouvernement. Allo Bandeko. Délibération est au ban. Parce que selon la Constitution, c'est le président de la République. C'est-à-dire, selon l'agenda annoncé par le Premier ministre, c'est mardi que les deux listes devront être soumises au président Tshisekedi. Et c'est aujourd'hui qu'ils vont remettre ça parce qu'ils n'ont pas pu remettre ça le mardi. Selon la Constitution, a le pouvoir de nommer le gouvernement. Donc, selon la Constitution, le président Félix a nommé le gouvernement. Il y a un autre lobaki que Bandeko foto tanga Constitution na biso malam. Parce que Constitution zo lobaki va proposer, majorité va proposer par Premier ministre. Premier ministre a déposé un président de la République et puis président de la République a nommé le ministre. Alors, Bandeko, ça a été Bandeko, ça vraiment ya été parce que délibération na été banda na apona batu oyo vraiment baza na vision na ye. Yango tozo rolo bamba na mbalaki. Mais Bandeko ebele tout landi, acteur politique ebele baleki, balobi que président Félix a le plein pouvoir.
Parce que Batubazo mona te pouvoir au président Félix Sassana. Jusqu'à présent, Batubazo na couverture mon boy à Kabila. Tant Bazo mona Kabila, Bazo mona ki Kabila, Azo pesa ba ordre. Non. Bandeko, ton longo langona ma kansi na bisou. Le président de la République azana droit ya nyonso. Oui, FCC va dire va poser clé en dette l'obaki. Mais ce qu'on l'a dit détail n'a pas mona qui le président de la République azana plein pouvoir. Bah, pourquoi trois noms? Parce que le président qui a pona moutou ou azana vision aïe. Nandimite ya ko pona moutou ou yo akomana ministre de la justice. État de droit et comment la désordre. Nandimite était président de la République après mon ministère, ministre de la Défense, où vision à est de la RDC et Salamati. Donc, à quoi jamais moutou, où azana vision à été. De yako pona ka moutou, où azana vision à été. C'est pour ce que la Constitution a passé plein pouvoir de nommer le ministre. Alo bandeko. Tonoba kiango. Totanga ki ba point par point. Alo le président de la République mena le pouvoir bandeko pour nommer les ministres. Alors, bako publi yango kan. Yango question bandeko baza koto. Et ça clair mena ki ba dati o bako publié ba yebisiti. O et ça clair et ça été premier ministre à remettre les dossiers, il y a une liste à trois noms par chaque poste au président de la République. Et puis, bah, trois noms, on a, chaque trois noms, et ça, na une femme, na kati. Allo, bandeko. Dossier Oyo, président de la République, a ça, na plein pouvoir. Tant, bah, il y a les 65, tant quoi, 65 na mesa, on a, 65 groupes, tobenga un groupe parce que 65 wana moko ezana 3 personnes, 3 personnes evani na mesa. Président de la République azo talabi a oyu azana vision. Toloba ko dernière mission parce que ko répéter souvent. Mais l'autre loba le leza le pouvoir du président de la République de nommer. Parce que bate bele ba sai ko comprendre. Bamba monnaie kaka, bamba poni, non. La Constitution, selon la Constitution, c'est le président Félix Tshisekedi a le pouvoir de nommer le gouvernement. Donc, maintenant, il y a qu'on nomme Bango Epsa, il y a voilà Batou Bango, qui est de travailler là-bas. Ça, c'est la Constitution. Allô, Bandeko, à vous de commenter parce que, pour le moment, il a le plein pouvoir. Balise comme on a parlé de la nation kuvanda wana ndio moni toti wana na photo parce que bango ministre et premier ministre a komi bayambie na kamere après koti akutana na président de la république ba dossier na mesa ba dossier oyu kabun na ne mi ba signeki alors to yebite ce qui bata AFDC est inclus mais nous sommes sûrs que parce que c'est force politique et que ça a surpris ça pour mona bayati na ba ministre na ye et que ça a vraiment battu à comprendre non que oui basa na besoin et à gouvernement moko inclusive gouvernement d'union parce que bayati a commis troisième force allo bande quoi vous de commenter na premier point tous les casico na deuxième point de ce bandeau et yindi décision à Kingankati. Alors, bandeau, comme la deuxième point de ce bandeau, le mystère de Kingankati. Alors, Kabila a dû ma décision à partir de Kingankati pour la dégâts des ordres de bandeau au côté de la FCC pour la poste. Donc, quel est le plan de la FCC pour la poste? Bata Palou, Baza suspendu, Kabila suspendre Bango. Allo Bandeko Zamao. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la liste. Parce que selon la liste na bango, au bazar, au transmettre kuna,
Le PPD qui a 118 députés aura 11 ministres et 3 vice-ministres. L'ancien président Joseph Kabila Kabange, à sa qualité d'autorité morale, a droit à 10% des postes ministériels sur les 42 réservés à cette plateforme. Nakata plateforme a droit à 10% du PPD à Zouakébéli. Alors, on a déclaré que passe à Zébéli. Alors, Kabila a dit que Kaboul. Allez, Bino, Bozoa 4, ou bien Bozoa 2, Bozoa Boy, un ministre, un vice-ministre, 2, 3. Donc, à Zopé sa bango moutou à Koko Lobati. Plateforme na bino bozana combien nous avons comme ça alors plateforme nous quoi zabo bino bozabo 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 ah zamawa makambo ile kana FCC bandiko bavanika kimia bazo lobe lokoti o bino bana combien bino bozabo bozabo vice ministre boy donc o kolobati alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant à Palu toke na traitement à point oyo yini saki bandiko. Bandeko yo Thomas Lokondo, Elvis Mutiri na Yansin Lumumba ba deklara ki ke ba pose bele bo bino bo jibo bo pesi po na bino moko ba liye musu ba jibo pose ministeriel ti. Alo bandeko bolan. Thomas Lokondo, Elvis Mutiri na Yansin Lumumba ont été suspendu a durée indéterminée bandeko. Ezali mawako mona ke batubaza suspendu à durée indéterminée avec privation des droits d'éligibilité aux avantages revenant au regroupement. Donc, balongoli bango, alors bandeko yo baza suspendu à durée indéterminée et za kito kote parce que ça na pays à démocratie. Ou eza lera gouvernement ya Kabila te ou mutakoko lobati. Bandeko yo ifu bazung sa bango. Bandeko yo mibeko Kabila pesi bandeko yo kizenga yo suspende bandeko du message et pa ya Kabila il faut bandeko bazonga na parti tozana démocratie Thomas Lokondo Elvis Mutiri Yasilu mobazana droit ko loba ete PPD a djuba poste belé bazana droit ko loba ete Palu au sali faveur na batuna yo. Bakoza la suspendi bongote indéterminé la durée indéterminée. Alors bande kozali mawa tozo kende wapi Kabila azo pesa bango ba mibeko na FCC to lobaki bokena ki cop soko simbité bozunga. Alors bande ko ezali mawa bande ko tukuto suksarabso na point oyo ya deuxième popoto kena troisième point po ezali mawako mona diktature ya boye oyo Kabila zo sala na FCC ayeye mo akabola yo ministre parti boye ministre mibale parti boye ministre misak pa non baza batu ils ont droit un mot alo bandeko tozo senga na bandeko oyo ya Palu bazongisa Lokondo Mutiri na Lumumba bazonga na parti bakoko exclure bango bongo te tozana démocratie bazana droit koloba vous de commenter bandeko ndenge Kabila juba décision ba suspendre bandeko oyo po ete ba réclamer ki ba poste a vous de commenter bandeko to leki na troisième point na biso ya bandu vobus allo bandeko to komi na troisième point na biso troisième point bandeko babus moko kitoko ya sika confort ndeka to mona kana ba pays d'Europe bozolongwa Paris bozokene Lyon ba province bokene ba banlieue do ba bokene ba province do ba bus mo pena kitoko gouvernement sombi premier lo eye babus ne korilie Kinshasa Congo central Kwango Kwilu Mai Ndombe donc ba province oiza aux alentours. Alors confort andingo bandeko tala ba bisu na ba bisu moko moderne do ba bisu moza na confort président nouveau gouvernement ba sombi yango pour relier ba province faciliter transport alors ba pesi on a Transco boye que Transco a partir ba problème mais que Transco ba changer qui
balongola ki directeur na mbati directeur asika lo Transco et je sala musala ki toko pour le moment alors ba pese bon ba bus wana ezali uniquement pona kolongwa Kinshasa kokene ba matadi banana boma et puis kokene ti kwilu kokene do mai ndombe bandundu do tout ça donc bandeko yango toujours loba eti président de la république asuya na makambuka kasika au jour de jour ba bus moko moderne gouvernement bimisimbon pour essa la transport entre Kinshasa et les provinces aux alentours pour aimer ma produit parce que bilong suto mona kabiloko na Kinshasa biloko yo cher biloko parce que biloko déplacement na ngwe équipe na malamu ti yango président a insisté qu'une infrastructure bande ko ndenge ya sala ki bande nga zo bongisa banzela banzela na tu esili parce que a pesa ki promesse et banzela ni ko sila na Noël alobeza cadeau à Noël 2019 ba congolais ba ko mona na Noël nde ba ko fungula ba ba projet wana nyoso alo banzela bandeko zoko makito so tali ba biso wana eza ba bis moderne e ko tambula na banzela o eza kitoko yango infrastructure bandeko e ko aider économie na biso e ko zala développer parce biloko et ça la bilo moko net bandunda ba bilo mwe uta na province et ko ko cheminer facilement ce qui va transporter ça alors net tout ba ki pe na fin mois août ba bateau ko banda alors développement ya poyi tout ce monde yango ki président de la république aso sala musala kito yango bande ko tango nyoso to zoloba et chaque jour toujours tu as information asika président de la république chaque jour a jour crier a jour le kamo kitoko allo pays na biso comme développement moya ko sakana allo ba bis wana bande ko za ba bis moko moderne nde bozo mona wana et za ba bis moko zo lile Kinshasa na ba province nous travaillons d'arrache-pied pour satisfaire les besoins primordiaux de la population, notamment les transports. C'est pourquoi le gouvernement a fait venir un échantillon de bus intérieurs. Tous les bus trajets, donc Kinshasa, sur Kinshasa, mais qui iront en province, soit Kinshasa Matadi, Kinshasa Bandundu et Kinshasa Tshikap. Et comment tina Tshikap à Bandeko? Alo banzela ifo ezala kitoko yango présence ya bongisa banzela. Un autre le va plutôt venir du côté de l'Est, Lubumbashi Kolwezi, Lubumbashi Likasi, c'est un premier groupe de bus intérieur, a déclaré le ministre des Transports intérim. Alo bandeko ministre des Transports intérim a déclaré yango et ba bus oyo ezou relier Kinshasa. Na ba province et puis corrélier Lubumbashi na Kolwezi na Likasi donc yango est relié ba province à nos bandeko à vous de commenter pour na ba bis oyo bandeko to ki na résumé na biso allo bandeko to comme na résumé na biso premier point bandeko yango to loba ki yango ki président de la République a sa la plein pouvoir. Pour moni siko ki ba liste est comme Nicolas Messanay. Donc selon la constitution, c'est le président qui va nommer. Donc président a zo banda délibération na yemoko et il va nommer ba conseiller na ba kozala wana ko idiye a nommer ba ministre capable pour être aidé ce qui est de la fin. Alors bientôt bandeko tokoyoka était président de la République, liste bimi, Mosalaya Ilunga et Bandina gouverne. Alors, deuxième point, Bandeko, Tonouba qui est à partir du mystère de Kingankati, Kabila Moujo va décision à partir de Kingankati, donc, à l'objet déjà Kaboul va poste, donc, Moutoumote Kouta réclamé la Kata FCC dictature Moro Total, donc, Koukata Okosulati, donc, a décidé, Pona va poste,
Alors, ben, de quoi parle de Ebsebino? Baza suspendu. Alors, troisième point, Ezali. L'eau à Babus ou Yé, pour la corrélier la capitale et les provinces, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, alors, ben, de quoi vous de commenter. Au revoir et à la prochaine, Bandeko.